Eh bien bonjour tout le monde, c'est Limikoupa et aujourd'hui on va découvrir. Voilà, déjà on s'occupe de tout ça. Tout est cassé. Parfait. Tiens, attends, juste avant, dans le doute, est-ce qu'on a tout cassé ici? Enfin, est-ce qu'on a tué tous les monstres? Voilà, ça a l'air d'être le cas. Hein. Vous devriez vous demander pourquoi je me demande si on a tout cassé. Et c'est pour une bonne raison. Vous comprendrez. Alors, est-ce que ça fonctionne? Yes! Comme ça, deuxième personnage secret. Mais du coup, déjà, pour commencer, bah, c'est qui lui? Donc déjà, c'est qui lui, et après, c'est qui lui? Ah, et bah voilà, Darren. Depuis le temps qu'on l'attendait. Enfin, certainement. Putain, j'ai perdu son ami. Ça me met. Ah ouais, c'est vrai, on est avec Ken, j'ai oublié qu'on l'avait débloqué. Sérieux, je l'ai foutu où là, ça devient inquiétant à force. Merde. Bon bah je crois que je l'ai perdu. Pourtant je sais qu'il... Ah non, il était juste devant mes yeux. Ok, c'est juste moi qui est aveugle. Tadam. Voilà, le petit livre, la petite épée, comme ça. Ah bah en plus, voilà, preuve que c'est lui. Il était juste devant mes yeux, mais j'ai même pas fait attention. Je suis... C'est horrible. Bon, du coup, nous avons Darren, qu'on va... Bah, qu'on va utiliser maintenant, mais juste pour un seul combattant. Un peu nul. Ah, voilà, t'es là. Allez, c'est parti. Oh, attendez, des activités terminées. Oh. Oui, j'ai mis des trucs qui sont censés arriver en évolution. Évolution possible. Ah bah, on va en faire. Attendez une seconde, qu'est-ce qui peut évoluer? Ouais, j'ai débloqué Shadow aussi. Et Tetra. Et Kyogre. Lui, j'ai un doute. Bon, allez, on va sur elle. Allez, Shadow et Medusa. Voilà, ça c'est fait. Ouais, bon, je m'en occuperai un jour. Attendez, Herbe des Talents, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? 65, ouais. Bon, bah, on va faire ça. Hein. Voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais qu'il y a un truc. Non, oui, voilà, les évolutions. Voilà, les évolutions, je les ai oubliées. Oh, quel connard. Ouais, on en a 4 à faire. Du coup, Lynn, pour commencer, tu vas évoluer en... Super Lynn. Mais non, en Lynn Lord Spata. Ganondorf de Twilight Princess. Oui, je lui ai mis plein de boosts. Non, même pas, je l'ai mis dans le truc de l'évolution. Ah non, on en a plus. Bah du coup, il va évoluer en Ganon. C'est logique. Bah ouais, le Ganon, créature maléfique. Le parasite X de Metroid Fusion. Il évolue en cauchemar. Eh ben oui, vu la gueule, c'est sûr que c'en est un. Le Metal Gear Ziki. Ouais, je l'ai... Oh, putain, quand même, 5000 là, waouh. Qui évolue en Metal Gear... Ah non, même pas en Metal Gear, en Sahelanthropus. Ah, ça va vraiment être un bordel le Let's Play Metal Gear Solid. S'il n'a pas encore démarré quand cette vidéo est sortie. Hein. Et toi alors, mon petit Scarfy, qu'est-ce que tu deviens? Un Scar moche? Ah non, un Scarfy fâché. Oui, mais ça revient au même. Hein. Ben, oh, toi, je vais te... Ouh, bah attends, toi, je t'ai pas fait évoluer déjà en roi bout.
J'ai un doute. Je suis sûr de l'avoir déjà fait évoluer le bout. J'en suis sûr. Ou alors j'ai dû me tromper. Attends, Andros. Non. Bon, tant pis, on s'en branle. Oh. Bon, on devait faire quoi déjà? Ah oui. Et on est tombé du coup sur Richter. Ah bah le voilà. Je me demandais c'était quand qu'on allait tomber sur lui. Bah c'est maintenant. Richter contre Darren. Ah oui, quand même. Bon bah voilà, problème réglé. Richter fait son entrée et je n'ai pas son amiibo ni même commandé son amiibo. Enfin pour la commande, j'ai un doute. Après honnêtement, là je vous dis ouais MDR, il y a la commande de ci, de ci, de ça. Mais sincèrement, je crois que pour aujourd'hui, de mon côté à moi, pour aujourd'hui c'est mort parce que littéralement on est à la fin du let's play. C'est la dernière ligne droite ce let's play. Enfin les vidéos qui... Cette vidéo là c'est littéralement la dernière ligne droite du let's play. Putain, il nous manque rien. Il nous manque Bayonetta, Palutena. Je suis sûr qu'il en manque d'autres, mais je les ai pas en tête. Bah, déjà, pour les persos qui ont été annoncés pour Ultimate, donc de sa première annonce au Nintendo Direct du mars 2018 jusqu'au 1er novembre, tous les personnages sont là. Donc Ken, Inkling, Ridley, Simon et Richter, King Carol, Marie, Fel Inferno. Ils sont tous là. Maintenant il nous manque juste bah, Palutena et Bayonetta. Bayonetta qui en plus je crois va être là à côté de Corinne. Ou entre Corinne et Cloud. Du coup voilà, on va jouer avec Richter. Richter. Mais du coup ouais, moi je vous parle d'Amiibo mais clairement. Pour moi, c'est, on va dire, la dernière journée de tournage sur Smash Ultimate. Donc, le 29 juillet. Et du coup, bah, je vous rappelle qu'il y a le mode classique qui arrive. Qui va arriver après ce let's play, en let's play du, en vidéo du samedi. Donc, littéralement, 2-3 vidéos par samedi. Bon, je pense que ça va être à cette occasion-là où je pourrais vous montrer chaque amiibo que j'ai, de préférence. Par contre, il est... Il est chiant à combattre à ce point, lui. Ou alors c'est juste Richter qui pue la merde. Non, parce que... On fait aucun dégât, là. Hein. Je l'attaque comment? Je l'attaque comment? C'est Richter qui pue vraiment la merde à ce point, ou c'est moi qui ai nul? D'accord, non, faut taper la tête. Putain, aïe. Oh mon dieu. Dracula deuxième phase du coup. Tiens de l'eau bénite bâtard. Va en enfer. Bon bah ça y est, c'était rapide. Ça fait mal aux yeux. À vous. Dracula et merde, il évolue. Bah du coup son évolution ça va être ah bah non on... Du coup ça va être quoi son évolution si on a déjà la deuxième forme? Oh putain, c'est bizarre. Ah c'est bizarre. C'est... Franchement, c'est très intriguant là, j'ai pas d'idée. Je me suis dit au pire la deuxième forme, mais non. Enfin, peut-être, mais ça serait con de nous le mettre en soutien alors. Oh, tout est clean maintenant. Mais que se passe-t-il par ici? Je me le demande un peu beaucoup. Serait-ce un combat contre un autre boss? Ah bah, qui sait. Oui, ça va être un combat contre Sombra, d'accord. Bon. Eh ben ok. Sombra fait son apparition au centre de la carte. Sans déconner. Du coup, je peux ou...
Oui. Ah, il est gentil, Masahiro Sakurai. Enfin, ou Bandai Namco. Ou les deux. C'est les mêmes. De toute façon, c'est les mêmes qui ont travaillé sur le jeu, alors. Enfin, c'est eux tous, du coup. Par contre, on va peut-être pas rejouer avec Richter. Hein. Je vais pas vous mentir. J'aime pas trop son gameplay. Genre, il est sympa, mais. Le personnage, il est lent. Du coup, attendez. Qui est-ce qu'on va utiliser? En vrai, j'ai un doute, mais on n'a pas réellement joué les Ice Climber. Hein, dans mes souvenirs, on les a pas réellement joués, contrairement à tout le reste. Même Pichu, on ne l'a pas vraiment joué. Ouais, mais les Ice Climber, je les ai jamais joués de ma vie, contrairement à Pichu, que j'avais déjà testé sur... Smash Melee, c'est un ami. Et encore, c'était juste une game, alors... Donc je sais même pas le gameplay de Pichu à quoi il ressemble. Je sais plus, en tout cas. C'est plus simple de dire ça. Parce que surtout, ça remonte il y a trop longtemps. Ah, donc ça, on l'a fini à 100%. Ça aussi, parce que l'étoile, ça veut dire ça. Oula, mais on voit rien en plus. Oula, merde, désolé. Voilà, donc là, les petites étoiles, ça veut dire qu'on a fini à 100%. Mais si on n'a pas fini... Non, attends. Ah, ok, on a fini les trois trucs à 100%. Oh putain, qu'est-ce que c'est beau. Eh ben, on est tranquille alors. Mais juste avant d'aller combattre Sombra, j'ai envie d'aller voir est-ce qu'il y a des endroits qu'on a fini à 100% dans ce monde-là. Bah ouais, parce que s'il y a des endroits qu'on n'a pas fini à 100%, ça pue du cul. Ok, donc là, fini à 100%. 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 Fini à 100%. Fini à 100%. Fini à 100%. Bah, c'est plutôt nice, hein. C'est plutôt bien, là. On a fait, bah, du coup, littéralement tout à 100% pour l'heure actuelle. À l'heure actuelle, on a fait tout le mode histoire à 100%. C'est fou. C'est fou. Ça m'étonne, mais en même temps, bon. Après, est-ce que ce sont les bons personnages à utiliser pour combattre Sombra? Surtout que je connais pas le gameplay d'Ice Climber, du coup, là, j'ai peur. De toute façon, si on crève, tant mieux. Comme sûrement, on pourra se mettre avec quelqu'un d'autre. Genre, Cloud, clin d'œil. Ou avec moi. J'ai quand même une petite envie de me suicider, là. Ah, ah. Non, me frappez pas, monsieur. Ah oui! Bah en fait, c'est très bien de jouer les Ice Climber. Hein. Ah d'ailleurs, petite fun fact, je dois recevoir les amiibo d'Ice Climber aussi. Ah bah ouais! Attends, c'était aussi simple que ça? Je pensais qu'il y avait une deuxième phase, moi. Ah, je suis déçu. Je pensais sincèrement qu'il y avait une deuxième phase. Ça durait 2 secondes le combat. Popo et Nana. Bon alors, que se passe-t-il maintenant? Oh! Un autre endroit où on doit rentrer? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est Killer qui s'est ramené là? Mais non, mais je voulais pas rentrer. Je voulais changer de personnage, merde. Oh. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va se prendre? Bah, du coup, la découverte de la nouvelle map, j'imagine. Ah non, cinématique. Les lumières contre les ténèbres. Regardez, ils s'entretuent, c'est rigolo. Mais du coup, c'est quoi le meilleur? Oh, il y a Mario qui arrive. Oh putain, un plombier. Qu'est-ce qu'il fout de là? On va leur éclater la gueule. Sur cette image, il y en a 3 que je n'ai... Non, il y en a 4 que je n'ai pas en... D'accord, donc je déconne pas en fait. On est vraiment à la fin du let's play, ça y est. Et là, on a que 2 personnages débloquables. Ouais,
Reste à voir si c'est les tout derniers personnages à vraiment débloquer pour le jeu ou alors. Enfin, où on peut avoir des persos secrets. Reste à voir. Oh putain, 115. Toi, je t'aime bien. Ah ouais, putain, lui, on va l'aimer. Ah, croûte. Feu. Bon, du coup, le personnage qu'on va utiliser, les Ice Climbers, sont plutôt intéressants. Hein. On les utilisera pendant le combat final, j'imagine. Si on peut en prendre plusieurs personnages comme dans Brawl, ce que j'espère, en vrai, ça serait ouf. Et du coup, nous allons jouer. Mais c'est con, du coup, si je me joue moi-même, est-ce que ça veut dire que je suis dans le jeu? Attends. Ah, merde. Ah, je regrette un peu de l'avoir débloqué par mystère bizarre. Ah, je regrette. Tant pis, on pourra la revendre. Hein. Casse-toi, connasse. Ah, mais du coup, là, vu que j'ai le truc de la lumière et de l'ombre... oui, bah voilà, c'est la même. Bon, on la revendra. Bah, du coup, ce serait logique que c'est maintenant qu'on va débloquer Bayonetta et Palutena. C'est un peu... Ah, mais non, c'est vrai, là, il y en a un que je viens de... Attends, il y en a un que je viens de penser. Attends. Il y en a un que je viens de penser à l'instant. Juste que je regarde. Bah oui, il manque Roy de Fire Emblem. Il nous le manque lui aussi. Du coup, il y a trois personnages à avoir. Mais vu qu'on a tout fait à 100%, du coup, j'ai aucune idée de comment faire. Attends, juste. Donc, Roy de Fire Emblem. Palutena, Bayonetta. Est-ce qu'il en manque un? Je crois pas. Hein. Là, je crois que c'est les trois derniers, en fait. Ouais, non. Oh, même la couleur du truc, il change. On en a Ike, on a les Pete. Ah, il y a Dark Samus aussi. Il y a Dark Samus qu'on doit avoir. Donc, 4 personnages. Qui d'autre? Lucario, Amphinobi, on les a. Bah, j'allais dire d'autres personnages, mais c'est des personnages DLC, donc ça sert à rien, quoi. Du coup, non, on s'en bat les couilles pour le mode histoire. D'accord, bon, bah... Oh, un poussin de Metroid. Petite préférence, quand même, pour prendre un qui va évoluer, hein. Ah, bah... Ouais. Bah, pourquoi pas. Après tout. Tintin, tintin. En fait, je crois qu'après Smash Bros, le prochain let's play que je vais faire de mon côté, ça va être Metroid Prime. Reste à voir si je vais faire la même connerie de mettre Metroid Prime avant Smash Bros. Non, sincèrement, vous savez pas le nombre de let's play que j'ai tourné en avance. Enfin, qui sortiront avant Smash Ultimate. Il y en a beaucoup trop. De toute façon, vous le savez, vous avez vu le dernier Lemmy Info, n'est-ce pas? Ah, vous l'avez vu. Ah, oh, quelle bande d'abonnés fidèles. La libération des esprits des ténèbres a renforcé le pouvoir de la lumière. J'imagine que c'est pas bien. Ouais. Oh, tu te fous de ma gueule. Putain. Mon... Bah, du coup, je vais faire de revente, hein. Midona et Tetra. Ah! Qu'est-ce que t'attendais, Link Carton? Bah oui, mais toi, on t'a déjà tes traces. Non. Putain, vivement Wind Waker. Quoique, on a fait Phantom Hourglass, du coup, Tetra, on l'a déjà vu.
Ah, on est revenu dans l'équilibre de la force. Balder. Je sais pas c'est qui. J'ai jamais joué à Bayonetta. Ouais. Va falloir que je le fasse un jour en let's play, je sais. Oh, regardez ma petite carapace. Oh, une évolution. Encore. Oh, c'est bien, mais ça casse les couilles, il y en a trop. Amphinobi fait ses débuts dans Pokémon XY, qui doit arriver aussi un jour en let's play MDR. Oh, Général Pepper, je me demandais c'était quand qu'on... Quand est-ce qu'on verrait son truc. Allez. Selif. Eh, mais je crois que c'est le personnage du premier Fire Emblem, lui. Enfin, non, du coup, parce que c'est Mars. Quelle classe. Ah bah oui, attendez, oh, on est stylé, nous. Bowser Jr. and Team Mario. Allez. Bon bah allez, hein. Oh, le colosse suprême. Ouais, j'ai bien économisé. Un peu... toi, mon coquin... Ah oui, donc... Désolé, mais j'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce qu'il a. Enfin, ça va être quoi son évolution. Des heures d'économie gâchées, tout ça pour ce connard de fils de pute de singe de merde. Bon. Hein? Ben, ah, dégueulasse. Bah ouais, véritable forme, c'est vrai. C'est un truc qu'on n'a jamais eu d'ailleurs dans le Let's Play de Star Fox 64 3D. Et je vous ai dit qu'il y en avait deux. Hein. Mais sachant qu'il y en a une qui n'a... Ah bah oui, Tetra, elle évolue en ça. Pourquoi Spectrac, je ne sais pas, mais bon. Au moins, vous savez à quoi évolue Tetra. C'est logique. Eh mon Dieu. Oh merde! Star Fox, fais la volonté! Oh. Alors, que se passe-t-il après ceci? La lumière va gagner de la force ou pas encore? Ah non, là c'est les ténèbres. Oh mon Dieu! Nous devons combattre les ténèbres des âmes présents. Et là, on a qui? Jeanne? Oh! On va lui péter la gueule! Oh, alors là... Vous êtes vraiment pas prêts pour ce qu'on va voir. Ah, non. 300 de plus. Bon bah c'est pas grave, on va quand même lui... Ah mais attends. Oh, je suis contre Roy. Lémi contre Roy, qui est le coupable ligne le plus fort? Réponse tout de suite. Eh bah c'est moi. Ah.
Va là-bas, connard d'hérisson. Oh mon dieu. Après, ça aurait été bien qu'il évolue en mode, il aurait évolué, il aurait été en Eggman Nega. Qu'on ne voit que dans les Mario et Sonic, pour dire. Et encore, la seule fois où moi je me rappelle qu'on l'avait vu, c'était dans Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver. Le premier, celui de 2010. C'est très vieux. Il était avec Bowser Jr. en plus. Oh, encore une évolution. Là, on est baisé en termes d'évolution, en fait. Hein. Y a pas à dire. Là, on est dans la merde. Hein. Voilà. Désolé de dire des termes, mais bon. Bon, qui es-tu, toi ? Nash. Je connais pas. On va quand même un peu le faire exprès, lui, 2 secondes. Voilà, comme ça, c'est propre. Avec le capitaine Falcon. J'ai un ami beau, rappelez-vous. Trop bien. Oh. Ah là là, qu'est-ce que ça fait du bien de jouer à Smash. Mais bon. Ah, j'aurais cru que ça allait s'arrêter, honnêtement. Je pensais que ça allait dire, hey, connard, Bah, vous savez quoi? Hilda. Ouais, voilà. Parfait, ça. Ah bah là, ouais, on est sûr qu'on va tout baiser. En plus, on est full endurance. Ça va être sa fête. Ah bah, ça a pas tenu longtemps, hein. J'en ai marre, il y a trop d'évolution, putain de merde. Ah mon dieu, va tellement falloir que je gagne de la thune. Oh. Et bien voilà, maintenant nous sommes au centre. Ah bah voilà, qui on va combattre la prochaine fois, Psycha Diabolique. Bah. Ah mais c'est le méchant de Kirby et les souris là. Celui sur DS, bref. On s'en fout, on verra ça la prochaine fois. Du coup, voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Sur ce, c'était Lemmy Koopa. Et puis moi, je vous dis à très vite pour la suite de Super Smash Bros. Ultimate. Au revoir tout le monde.